Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le rebout du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, c'est tout cuir roux, mais il y a du monde. Bonne journée à tous. Avec sa Dacia qui fait les boutons, le matin qu'on heure, je reconnais. Ah zut, je suis grillé. Comment vas-tu? Oh, vu l'heure, il n'y a pas longtemps que t'es debout, là. Il y a une minute dans la société Américaine, je m'en vais garder à l'endroit. Ok, d'accord, ben ouais, ben je m'en vais aussi à Mérignac. Au même endroit, là où tu sais, Hachy, à chaque fois avec des horaires différents. Demain, je suis en repos et j'y retourne après-demain. Après-demain, par contre, là, je serai obligé de prendre la moto pour être sûr d'être de retour au QRA à l'heure. Ah oui, ça j'en suis sûr, d'autant plus qu'à partir du week-end prochain, je suis en vacances pour 2 semaines. Hachy, 3 coups. Tain, je suis en train d'arriver en bas du pont d'Aquitaine, là j'étais quasiment complètement perdu. Hein. Allez, 73-51, la bise sur le front, et soit tout à l'heure, ou vu que je vais sur Mérignac, ou à la prochaine. Ouais, je t'ai entendu un peu, ciao. J'ai pas compris. Et la belette pour Dindy 33. Je suis en train de passer au niveau des deux stations essence là, Mérignac. Veillez pour savoir s'il y a pas de problème. Je vais attaquer la 62 direction. Ah ouais, ça arrive à passer un peu. C'est pas bien fort, mais ça passe quand même. Ouais, je sais bien, oui. Tu me l'avais expliqué le dernier coup. Hein. Affirmatif, aussi bien ça, voilà, je vais attraper la sortie 10. Ok, bonne journée à toi, pareil, promène-toi bien, profite du beau temps, et puis en plus avec les avantages qu'il y a avec le beau temps, parce que je sais que depuis le haut de ta cabine, tu vois tout mon cochon. Allez, t'as bien raison, profites-en bien, Hachy 3 coups, et à la prochaine, bonne route. Mais non, on va plus rien, mais t'as qu'à la quille, je vais mettre les pantalons, ça va plus, ça reste le monde à l'envers. Hein. Maintenant qu'il y a la fibre, mets des pantalons. Oh putain, on ne l'avait pas faite celle-là. Oh, je la ressortirai celle-là. Ok, ça marche. Bonne promenade de ton côté. Allez, merci mon petit Rémi, les gros bisous, au revoir et les bonnes amies à Daniel si tu le vois. Allez, ciao. Ok, ciao. Intéressant senteur pour Dindy 33 qui t'appelle. Hey, salut toi, de retour. Non, c'est gauche. Oh merde, je me suis trompé de modulation. À la seconde, j'avais cru reconnaître la belette que j'ai eue ce matin. Eh si, c'est toi, Gilles. Eh oui, je suis celui qu'on prend pour quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai que là, tout à l'heure, là, à la seconde où je t'ai entendu, j'ai bien cru que c'était la belette qui était de retour. Quand j'ai lu ce matin en fréquence, il partait vers Longon, je ne sais plus trop. Ah, mais non, c'est pas mon secteur. Ah, ben tu m'étonnes. C'est pas loin, là. Ah, je suis bloqué dans les bouchons sur la rocade. Alors, je suis à la hauteur de la sortie 9, sortie Saint-Médard d'Arangeal, le Hayan. Alors, moi, c'est toujours en bête, hein, je suis en bête. Hein. Ah ouais, en plus, là, t'as la flotte à côté, et ouais, ça peut passer, oui. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, j'ai entendu un autre Jean VIP.
t'as aimé semblant entendre quelqu'un d'autre avec un Audi Bip aussi. Ah, c'est trop QRP là de mon côté là. À moins que ce soit toi Gilles que j'ai perdu d'un coup. Mais là, juste avant, là, il m'a semblé entendre quelqu'un d'autre. Là, si c'est le cas, le 73-51, la station de la part de d'Andy 33 coincé dans les bouchons là, à la hauteur de la sortie 9. Et Vega 33 du côté de Bassins par là-bas. Attends, Vega, vas-y, reprends le micro pour voir. Ah ouais, je sais pas où t'es rendu là, par où tu passes, mais t'es devenu d'un seul coup très très QRP. Hein. Bon, j'arrive pas à te sortir là, désolé. Je t'ai entendu parler de ligne à haute tension, branche ton antenne dessus, ça va te faire une super filaire, hachi. Ce bordel sur la rocade, au secours. Ah puis dommage, la propague n'est pas là. On aurait pu bien s'éclater là pour le coup. Oh si, il y en a un petit peu par moment de ça. Tout à l'heure, là, j'ai entendu l'Italie hein, là, en débauchant, là, il y a quoi Ah ben il y a 20-25 minutes. Hein. Là j'allume le poste. Il y avait l'Italie là, qui passait. Hein. Puis après c'est vrai que ça s'est calmé. Avec les QRM que j'ai de mon côté, en plus là j'ai un peu de mal à te sortir. Hein. Faut que je me rapproche. Putain, j'ai rien compris. Hein. Désolé. Hein, et bon, en plus il fait chaud. Là, je garde les fenêtres grandes ouvertes hein, ce coup-ci. Hein. Et je crève de chaud dans la bagnole. Putain, vendredi, je retourne là-bas. Je prends la moto là pour le coup. Hein. Et là, quand je vois là, comment ça bouchonne là, oh oh! Oh merde, il me fait du bruit! Hein. Attends, j'ai un mille pattes là qui me fait du bruit dans le poste, au secours! Tiens, j'entends une sirène de police là-dessus! T'as fait le ménage dans le matériel, c'est ça? Ah bah tu m'étonnes, il n'y a pas photo quoi. C'est... Non mais ça m'étonne pas du tout. Hein. J'ai même branché l'antenne en direct parce que tous ces branchements, tout ça, le temps ça fait vague et le froid, et après ça s'installer. Ah ouais, d'accord. Ce qui veut dire, c'est que les raccords du machin, c'est des liens d'enveloppe. Donc j'ai plusieurs postes et c'est très bien. Oh oui, non mais c'est sûr, t'as bien raison. Hein. De toute façon, plus t'as de trucs de brancher, plus c'est sur sa problème. Alors comme ça. Ah ça ouais, ça m'étonnerait pas, oui. Ah oui.
putain, j'ai tellement de bruit là de mon côté que j'ai du mal à... C'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, mais je suis d'un espèce de bout à bas ici, là, au secours. Oh putain, il a fallu justement que ce soit à ce moment-là que ça passe bien, quoi. Ah non, pitié, pour ça, quoi. Ah tiens, tu parles de ça. Il y en a un là au pont, il a fait qu'un aller-retour là aujourd'hui. Attends, le mec, en plus, vu ce que c'est comme site, le mec, il arrive débraillé. Une barbe, j'ose même pas la décrire. Allez, si, en épouvantail, le truc. Ça partait dans tous les sens et tout. L'allure dégueu. Ah, ça ne l'a pas fait du tout, là, pour le coup. Donc, il a fait entrer, il a fait quelques heures, enfin, de 3-4 heures, au grand maximum, et puis, oups, allez, dehors. Ouais, un agent, oui. Attends, là, je suis en plein dans les QRM, au secours, là, ça passe plus. Là. Qui c'est qu'ils envisagent de, je sais pas si t'as dit, de le mettre à sa place? Si c'est bien ça la question, je sais pas. Je sais pas, parce que la plupart des gens, maintenant, veulent le salaire et rester à la maison. Sauf qu'à un moment donné, il faut redescendre sur Terre et réaliser ce qu'on fait, quoi. Donc là, c'est compliqué. Voilà, je te disais, est-ce que tu sais qui va passer sur s'équiper? Ah putain, équipé, c'est tout ce que j'ai compris, quoi. Bon, tu me diras ça plus tard, parce que là, c'est vrai que là, c'est l'horreur, là où je suis, hein. Oh putain, comment donner envie à quelqu'un à faire de la CB avec un bordel pareil. Je disais, mon YL veut passer le CQP. Ah ouais? Ok, d'accord. Eh ben. Remarquez, pourquoi pas, hein, après tout, hein. Si c'est assez sort d'attaque pour ce genre de boulot, surtout que le boulot a largement changé par rapport à avant. Si avant on faisait du vrai agent de sécurité, maintenant c'est plutôt... on pourrait presque nous mettre une jupe pour faire de l'accueil. C'est limite ça, quoi. Donc c'est sûr qu'elle peut le faire. Hein. Voilà, t'as tout compris. Oh ouais, non mais je le vois bien là où je suis. Hein. Hier soir, j'ai terminé à 18h30. Donc, du moment où l'hôtesse a débauché jusqu'à la débauche, t'as deviné ce que j'ai fait, ben, exactement ça. Et, comme j'ai dit une fois, j'ai pas trouvé de jupe calée à ma taille. Attends, je suis à nouveau dans les QRM. Ça me va mieux d'être habillé en fille. Non. Toi, j'aimerais bien te voir habillé en YL, histoire de rigoler un coup. Ok, ça marche. Le monde appelle le monde. Ah, il est en train de parler à quelqu'un d'autre là.
voyez l'avantage de l'analogique sur le numérique, hein. Jean DMR et compagnie. Ben là, on continue à entendre malgré tout, même si on ne comprend pas forcément, on entend encore parler, quoi. Alors comme numérique ou DMR, un truc comme ça, ben, ça aurait coupé net. Hein. Ça aurait été fini de show or war. En gros, c'est ça. Donc l'analogique a encore de beaux jours devant soi. Oh oui. Voilà, j'arrive en bas du coin d'Aquitaine. Ça passe ou ça passe pas? Ah, peut-être tu m'étonnes que ça passe. Tout à l'heure, tu parlais avec quelqu'un, Lionel. Je l'entendais vraiment à peine. Hein. Je ne sais pas si maintenant de son côté, il m'entend. Si c'est le cas, le 113-51 à lui. Voilà, de la part de Dundee 33, au pied quasiment du pont d'Aquitaine. Ah oui, ça passe un peu mieux là de mon côté, tout ça retourne à nouveau. Si j'ai bien compris, tu es sur la Dordogne. Ben, disons, c'est que là, j'ai un peu de mal à te sortir par la même occasion. C'est vrai que là, si on s'est déjà copié, j'en suis désolé, mais c'est vrai que là, la seconde, ça me pète pas au cerveau, là. Ok, tiens, j'ai un espèce de bruit qui est en train de passer sur les ondes. Et 73-51 à tous, voilà, de la part de Dundee 33 dans la montée du pont d'Aquitaine. C'est Dundee 33 que j'ai entendu. Ouais, il y a un bruit qui est passé. Là, je suis actuellement en train de faire une vidéo, justement, Lionel. Oui, ça doit être ça, oui, Lionel. Là, je suis en train d'en faire une, là, je suis au sommet du pont d'Aquitaine. Je m'élève dans l'échelle sociale, hachis trois coups. Retour de l'U33. Ah ben chez moi c'est 9 plus 20, il n'y a pas de problème. Ouais, je suis en train d'arriver pas loin du QRA. Je sors de la rocade. Ben 73 aux stations qui sont avec moi. Je suis content qu'il y avait un papa Lionel de Saint-Astier en Dordogne. Qui est actuellement à ça, ben, si j'ai bien compris, tu passes le Castel de Troyes. Voilà, retour à toi. Je t'entends tout petit, c'est très dur de pour se sortir de mon côté, là j'ai beaucoup de QRL. C'est pareil de mon côté aussi, c'est galère. Là on suit pas des zones industrielles, c'est pas terrible du tout. C'est pas grave, c'est pas envoyé les 73. Ok, il y a aussi Vega 33 qui est avec nous là, sur le canal de la route. Ouais, moi aussi je suis sur le retour du pro là. Et putain là, ces bouchons qu'il y a de ce côté-ci. Aïe. Enfin bon, bref, là je suis en train de m'en sortir, hein, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. La rocade. Ah ben on s'approche de la rentrée, donc ben, forcément on va reprendre un peu les bonnes habitudes. On aura eu quoi? Allez, 2 semaines de tranquillité, ça va. Ouais, on voit que le bon côté quand il y a des bouchons comme ça, c'est qu'on peut faire davantage de CB. Ça, c'est bon, ça.
Exactement, ça fait plus de trucs à raconter. Moi je n'avais pas bouché en venant du côté de Libourne, là, direction de Florac, c'était plutôt tranquille, donc je pense qu'il y avait du monde. Ah bah c'est tout bon pour moi parce que justement, tu sais de quel côté je vais. Ah, je suis en train d'arriver là aux stations totales, la rive droite. Ok, ça marche, ça vient t'arranger. On va faire N89 ça. Ce matin, il y avait, je crois, un double triple carton au niveau du feu, là, au niveau du Courtepaille. Dans l'autre sens, ça faisait un espèce de bouchon, mon vieux. Oh là là, on va faire une aide de français ce matin. Ah, quand même! Alors c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens, ils roulent tous dans le même sens, mais trop loin de se rentrer dedans. Quoi. C'est hallucinant, ça, quand même. Et oui, c'est effectivement. C'est assez bizarre, à l'analyser comme ça. Je lâche la pastille, à vous. Allez, vas-y, Vega 33, à toi. Ah oui, une minute, je suis occupé. Et toujours occupé, c'est quelqu'un qui est toujours très occupé. Bon, bah ok, d'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu deviens de lui? Parce que c'est vrai que là, c'est, avec le pro et tout, c'est pas évident de s'attraper en fréquence. Hein. Bah écoute, je suis toujours avec la station installée dans le mobile. À demeure. Hein. Je vais pas remonter en fixe depuis. Un bon bout de temps. Je suis scotché sur le canal 19. Et puis bon, sinon c'est tout, je bricole un peu des trucs dans le garage, mais il n'y a rien de vraiment intéressant à la radio. Cet été avec Fredo, on a avancé un peu sur les histoires de WebSGR, on a ajouté des bandes de fréquence en réception chez lui, dans son QRA. Et puis chez ses parents aussi, là, à Villeneuve. Donc ça s'étoffe un petit peu. Alors bon, c'est des bandes radio amateurs, mais bon, c'est assez rigolo, c'est la radio quand même. Il va peut-être faire une bande qu'on se mette à partir de chez lui aussi, c'est sur son LSDR. Ok, justement, tiens, puisque tu parles de WebSDR, t'as réussi à avoir une nouvelle version là, du logiciel ou l'OM, l'auteur, est aux abonnés absents? Eh ben non, il n'y a pas moyen, ça commence à faire un moment, ça fait plusieurs mois. J'avais contacté pour essayer d'avoir une version qui répondait. J'avais répondu pas du tout. J'avais relancé et du coup il m'avait répondu que je me disais ah j'ai pas le temps de m'en occuper, tout ça, pour les contacts. Et c'est tombé à l'eau parce que j'ai jamais eu d'autres nouvelles. Et ça m'a gueule parce que j'ai d'autres nouvelles qui ont été mis à jour et voilà. J'ai pas de nouvelles, alors ça, pour l'instant, c'est ça du coup, voilà. Ok, d'accord. Putain, ouais, qu'est-ce qu'il y a comme QRM? Au secours. Tu connais autrement des logiciels, des bons logiciels WebSDR gratuits comme celui-ci? C'est pas que je cherche à en faire un, parce que bon, c'est vrai que depuis, je suis passé à la fibre au QRA. Oh putain, je suis étonné, quand même. Je m'attendais pas à voir la fibre arriver au QRA, et puis je l'ai, j'y suis. Mais bon, j'ai un OneDrive pour le forum. J'aimerais bien stocker dessus, justement, là, quelques bons logiciels WebSDR. Je pense que ça pourrait intéresser du monde. Ah, écoute, le logiciel WebSDR que j'ai, moi, je ne suis pas autorisé à l'utiliser. C'est l'auteur qui l'interdit. Après, techniquement, je pourrais donc filer une copie. Il est sympathique.
saurais pas. Mais bon, j'ai fait le choix de respecter les conditions desquelles il est. Et par contre, peut-être il y a 150, il y a un truc qui s'appelle Open Web SDR. Open Web SDR. Open Web SDR. Je connais après dans les. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres comme logiciel qui fait ça. C'est-à-dire un logiciel SDR, il y en a plein, C-Sharp, etc. Et qui est accessible par Internet, en mode web SDR, je m'en connais que deux. Celui de ce gars-là qui utilise ça et celui de OpenWeb SDR. Voilà. Donc, je t'avoue que là-dessus, je suis très content d'alimenter ton drive, mais là malheureusement j'ai pas vraiment de SDR. Après c'est cool que t'aies la fibre, bah tu dis hein, quand tu veux monter un web SDR chez toi, il n'y a pas de soucis hein. Voilà, c'est de l'expérience. Ah si. Open Web SDR, ok. Il faudra que je vois si des fois je ne l'ai pas déjà mis. Si ce n'est pas le cas, je ferai une recherche. Vu le nom, il est qu'en version Linux, où il y a également une version Windows, tu es au courant? Bah, c'est que du Windows, hein. C'est que du Linux, c'est un peu JPL. C'est fait dans un langage qui s'appelle Python, ouais, c'est la première raison. Mais ça pourrait être plus Linux. Donc ça pourrait être Windows dans tout cas, mais bon, il y en a déjà des options. Là je vais pas voir peut-être un peu trop comme ça, mais ça marche Linux, c'est sûr. Windows, c'est à voir. J'en ai pas l'accord. Ok, d'accord. Ouais, ben je ferai une recherche là pour voir ça. Quoi. Là, je suis en train de te perdre. Non, ça m'étonne pas. Là, je suis en train de tomber dans le trou de la poste. C'est un Nessol 89. Alors, avant de te perdre complètement, je vais t'envoyer des motions 1351. Merci pour ce QSO et ces infos également. Et on se tient au courant, il n'y a pas de problème. A plus, bonne soirée à toi. Ouais, bah c'est bien ça. Là, j'étais complètement perdu là sur la fin. Là, je m'y attendais. Ok, merci. Bye, à plus. Ah oui, ça marche mieux là. Ah oui, il n'y a pas de problème. Bah écoute, ancienne fabrication OM, une ECSG, Scoubino, sur le canapage de 7 mètres, c'est l'arrière de la cabine du camion, voilà ce que ça donne. Ah ça y est, voilà, il manquait cette anecdote là. Il n'y a pas de souci, je me souviens de toi. Là, ok, d'accord. Voilà, ouais, c'est celui qu'on prend pour un coup avec sa canapèche. Ah bah je vois pas pourquoi. Ah, je peux te dire, c'est souvent comme on regarde comme un martien quand ils sont les parkings. Hein. Tu vois, j'étais du côté de Nantes encore hier, et les mecs ils vont regarder bizarrement. Eh bien justement, ça fait parler de la CB, tant mieux. Comme ça, au moins, ça continuera à faire son petit bonhomme de chemin. Exactement. Mais c'est fréquent, quand on... Tu vois, j'ai traversé la France en biais cette semaine-là. On ne sent pas grand monde, mais bon, les gens sont en vacances. Hein. Oui, c'est ça, oui. Les gens sont en vacances. Du côté de la route, il y a du monde d'équipé, mais ceux qui sont équipés sont pour beaucoup sur leur canal habituel. Donc forcément, c'est du sud moins animé sur le 19. Là où on se rend compte qu'il y a vraiment du monde sur le 19, c'est quand il y a la Propac qui est là. Alors là, ça part d'une cacophonie totale. C'est là pour le coup, c'est tous les départements qui se disent bonjour et tout ça, c'est un truc super QRO, super génial. Je sais pas combien, mais c'est énorme le nombre de gens là que l'on voit là-dessus. Mais par contre, en même temps, j'ai remarqué, dans ces cas-là, on entend pas mal d'indicatifs DX. Comme quoi, ça interpelle quand même hein, le canal 19.
ça en fait finir quand même, et c'est pas mal. Bon, moi, je suis souvent en essai, mais je suis souvent en essai dans le local là-bas sur le 24. On a fait vraiment des très bons contacts avec les dernières vagues de propagation qu'on a eues. C'est surprenant, hein, on a fait la prolonge sur les SM. Alors qu'on était en train de faire des situations là sur le 24 SM, ma petite canard habituelle. Voilà. Alors c'est comme tu dis, c'est souvent les vagues de propagation. Hein. Mais après, c'est rigolo, hein, quand il y a un peu de monde sur le 19, moi je dis, c'est vrai que ça fait du bien au moral de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ah oui, et puis c'est dans une telle convivialité qu'on en redemande constamment. Quoi. Alors, dans la blagounette, je vais dire, c'est à l'extrême opposé de Facebook, des trucs comme ça. Quoi. On n'en dira pas plus, à chi trois coups. Ah, mais je préfère la convivialité de la chaise, tu vois, franchement. Rien à dire. On se sent libre. On peut pas nous. Comment dire, ça peut chercher le monde, tu sais, quand on aura, je vais pas faire écrire, je veux dire. Il n'y a pas de censure, voilà, je vais y arriver, il n'y a pas de censure. On arrive à faire des situations bien sympathiques, même si, ouais, bon, c'est vrai, quand on rentre. Mais ça va revenir avec l'hiver, tu vas voir, les gens vont se mettre à côté, au chaud, à côté des amplis. Exactement, oui, non mais tout à fait. Hein. Il n'y a pas de complotiste non plus et ainsi de suite. Hein. Il n'y a pas tout ça, on n'a pas cet esprit-là dessus, bien loin de là. Hein. Ce monde-là, c'est vraiment propre à Internet. Hein. Et là-dessus, là, c'est vraiment là, au contraire, hein, on est bien bien loin de tout ça. Quoi. Ah ouais, c'est ça fait du bien. Non, là je suis avec le Nikon 2 Plus, là ma petite boîte de mirror, HI3CO qui suit derrière, c'est-à-dire le Zetagi B550P qui travaille qu'à 50%, hein, pas plus. Hein. J'ai pas besoin de plus, je m'en fous de plus, ça m'intéresse pas. Et au niveau antenne, la Wilson 5000. Et là je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie Libourne Centre, sortie 8. Bah écoute, pour les conditions mobiles, c'est tout clair, la chaîne, la radio est très forte, c'est vraiment très bien. Ça fonctionne très, très bien, sans rien. Ah, pour la radio forte, j'ai ma petite idée. J'ai tendance à avoir un peu trop de grande gueule en volume, hein, au micro. À chaque fois, je sais pas pourquoi, mais je vois l'y quelqu'un de la fuite. Ah, oui, tu parles de fond, donc c'est pour ça. Ça marche bien, moi aussi hein, je suis avec le micro d'origine. Hein. Mais bon, ça, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus percutant, mais c'est quand même pas mal. Tu pourras voir ça là, dans la vidéo là, qui est en train, en fait, elle s'est pas arrêtée cette conne. Non, c'est bon. Je dis ça parce que sur la caméra que j'ai, ça marche par compte à rebours. Et à chaque fois, c'est compte à rebours de 29 minutes. Je suis sans arrêt en train de jeter dessus pour voir si ça n'a pas déjà coupé. Quoi. Donc là, tu pourras voir ça dessus et ça marche bien. Hein, tout est bien réglé, même l'écho, là, il est parfait là, pour en AM. Là, il est super bien réglé aussi. Hein. Ok, bah j'ai bien la gueule de 6009, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là où parce que j'en ai eu un pendant 3 mois, et là où j'ai craqué, c'est sur le clarifieur. Alors, je me suis dit là, c'est pas possible. C'est t'es en mode clarifieur, tu perds le décalage en fréquence. T'es en mode décalage en fréquence, tu perds le clarifieur. sur ce point-là, j'aime pas trop choisir. J'aime bien avoir les deux ensemble. C'est quand même plus pratique. Et côté modulation, oui, je suis un peu étonné parce que d'après ce que si j'ai bien compris, t'es avec le micro d'origine. Et c'est assez étonnant parce que j'avais remarqué qu'il était assez faible hein, quand même de ce côté-là. Quoique, pourtant j'ai poussé les réglages à fond.
Tiens, j'en ai un qui m'est passé dans les mains il n'y a pas longtemps, justement, à 6009. Quelqu'un du secteur qui est passé là au QRA. J'étais au boulot ce week-end-là. Et donc, il est tombé sur le XYL, qui a été assez surpris. Le mec, il arrive avec un 3009 dans sa boîte et tout, au QRA. 6009, pardon. 6009 au QRA. Et pour que je lui débride. je suis pas du tout technicien, rien de tout ça. Bon, ok, je me rencarde un peu sur internet et tout, puis je me rends compte que j'ai des infos là sur le forum. Ok, bon, bah c'est très facile à faire. Là où j'ai patogé un petit peu avec le 6009, ça a été pour le débloquer le fameux canal 9 qui est verrouillé sur toutes les bandes. Alors là, j'avais pas compris moi qu'il fallait qu'il soit alimenté en 12 volts pour pouvoir le brancher sur le PC. Donc au début, j'ai un petit peu merdoyé. Ok, je teste en le branchant sur le PC. Ah, nickel, ok. Du coup, j'ai pu lui faire tout ça quoi. Ça a été nickel. Comme quoi, c'est un poste qui est assez facile à débrider quand même le 6009. Hein. Bah, du poste aussi, hein. Dès qu'on est bavard, là si je touche là, mon Lincoln 2, c'est pareil, hein. Je suis sûr qu'il est bouillant aussi, hein. C'est normal, hein. Et ouais, l'éclairage bleu, alors je me souviens quand je l'avais dans le push, j'étais obligé de lui foutre un chiffon dessus parce que il m'éclairait trop le push. ça faisait discothèque, hein, dans le push, hein. Mais ça en était même chiant pour la conduite, hein. Je te rejoins là-dessus, hein. Moi le poste était installé à la hauteur de mes yeux, là sur une tablette sur le tableau bord du camion, pour l'avoir emporté de même. Et parce qu'il y a plus d'entraînement, c'est dans les camions maintenant, la suite est assez bien. Alors là, il se fait un petit peu d'horreur, à la bonne façon, ouais. C'est vrai que c'est un peu dommage, ça aurait mérité qu'on puisse le baisser. Il y a pas mal de trous, il y a pas mal de réglages, ce sont des systèmes différents, c'est un poste assez performant. Ah ouais, c'est sûr, non mais c'est vrai que j'aime bien sa gueule. Il fait vraiment poste de CB, même si ça n'est pas un. Parce que bon, c'est vrai qu'à l'origine c'est un poste radio amateur, enfin bon, ça fait gentiment sourire ça, un poste radio amateur vendu au CBiste. Voilà, autrement dit, un poste CB haut de gamme. Hachis trois coups. La fonction que j'ai pas compris dessus, c'est le fait de pouvoir éteindre l'affichage de fréquence. Et perso, je trouve dommage que ça éteigne carrément pas le tâche bafouille, cet éclairage bleu, pour laisser uniquement, on va dire, l'affichage des calots. C'est un truc qui aurait été pas mal justement pour la conduite de nuit. Éteindre tout cet éclairage de l'affichage de fréquence pour juste avoir l'affichage des canaux. Et là, ok, j'aurais mieux compris que là, tu éteins ou tu allumes la fréquence. J'ai pas trop vu l'utilité. Je suis d'accord, je te rejoins encore une fois là-dessus. C'est vrai que même si tu veux l'éclairage du canal 6-9, tu vois, les petits éclairages qu'on a d'habitude, ils se font aussi. Ça aurait été bien, tu vois, de prendre le BC, simplement le BC, en mettant du pied, tu vois, voir, même carrément couper l'éclairage, un peu le système du lit comme ça, hein, tu sais, on s'est pouvoir enlever l'éclairage de prendre le son éclairage de derrière, c'est pas mal, hein. C'est pas bon, donc c'est pas mal, c'est ça, c'est pas bien grave, hein. C'est parce que là on a discuté comme ça, hein. Là je suis en train de tomber en plein dans les QRM de Libourne. J'ai commencé à te perdre un petit peu, mais bon, ça a passé quand même malgré tout. Attends, le clignotant, tac, voilà, c'est fait. Donc je vais te laisser, je t'envoie des bandes 113-51, parce que là maintenant, là je suis en route, la direction question la bataille.
plus, tous les QRM que j'ai de ce côté-ci, c'est pas le top. Hein. Et j'ai besoin de laisser refroidir la bête derrière, là, qui doit être chaud bouillant, avant d'arriver au QRM. Donc je vais t'envoyer 2751. Merci pour ce petit QSO, content de t'avoir eu à nouveau en fréquence. Et je te dis à la prochaine. Et pour la vidéo, je fais au plus vite, comme d'habitude. Bon, j'étais vaguement deviné derrière, j'ai entendu le Roger Beep à la fin, donc c'est bien ce qui me semblait. Les 73-51 retournés, bonne soirée à toi, à plus. Dans la descente, là où il y a les premières maisons encore.